encore aujourd'hui manger de la viande pas sûr entre amateurs de viande rouge végétariens végétaliens ou véganes c'est parfois la guerre autour de la table familiale les animaux ont-ils une âme sont-ils nos égaux souffrent-ils éprouvent-ils des sentiments ou sont-ils à notre merci prêts à passer à la casserole pour nous les rois de l'univers le thème de la viande est donc bien une question socialement vive capable d'intéresser tout un chacun. Dans la cité de Calvin, une équipe de recherche en didactique sous la direction du professeur François Audigier cherchait un thème porteur en vue de mesurer dans le cadre d'un débat scolaire, d'une part la capacité des élèves à réinvestir des connaissances acquises lors de cours variés, et d'autre part leur capacité à motiver leur choix en tenant compte des dimensions du développement durable. Son choix se porta sur le thème de la viande, pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est ce projet que je me propose de vous présenter. En 1974, la Déclaration universelle pour l'élimination définitive de la faim et de la malnutrition dans le monde précise que chaque être humain a droit à une nourriture adéquate pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. C'est un droit fondamental d'être libéré de la faim. Alors la viande fait-elle partie des nourritures à même d'assurer notre santé et notre bien-être et ainsi de nous libérer de la faim La viande est-elle un droit de l'homme Et si oui, chaque être humain a-t-il droit de manger autant de viande que moi Tel est donc le thème du débat sur lequel les élèves devront prendre position en fin de séquence en s'appuyant sur les dimensions du développement durable. Mais quel sens donnons-nous à l'expression développement durable Pour faire court, il s'agit de donner à l'élève un outil qui lui permette d'étudier des problématiques complexes et de faire des choix qui garantissent un développement durable de la planète. Pour ce faire, on l'invite à chausser différentes lunettes. Une fois, il voit le problème au travers des lunettes d'un économiste, ensuite au travers des lunettes d'un défenseur de l'environnement, puis celle d'un homme sensible aux liens sociaux et à la santé, sans oublier les lunettes du géographe décrivant comment le problème est traité ici et ailleurs, et celle de l'historien rappelant comment il l'était autrefois, il l'est aujourd'hui, voire le sera demain. Une fois les différentes lunettes chaussées, il lui reste à faire son choix en tenant compte des différents aspects du problème. Ce choix devrait être financièrement supportable, à même de protéger l'environnement et de garantir les liens sociaux et la santé de chacune et de chacun. L'équilibre sera parfois difficile à trouver et donc bien l'objet d'un débat au cours duquel chacune et chacun prend position en fonction de ses valeurs il restera enfin à transformer son choix en action concrète. Sur le plan scolaire fribourgeois, les lunettes s'appellent discipline. La dimension économique est abordée principalement dans les cours d'initiation à l'économie et d'éducation à la citoyenneté. La dimension écologique, entre autres, durant les cours histoire géo. La dimension santé sociale durant les cours d'éthique et d'économie familiale. Toutes les connaissances ainsi acquises nourriront l'argumentaire des élèves lors d'un débat. Le projet Viande a été réalisé dans le cadre d'une classe. Les heures d'histoire, de géographie, d'économie et d'éducation à la citoyenneté ont été regroupées. Les supports de cours ainsi qu'une feuille de route ont été préparés par les spécialistes de l'Université de Genève. Chaque élève est devenu expert dans un aspect de la problématique. Chaque élève a présenté son expertise aux autres spécialistes avant que l'enseignant n'apporte sa synthèse. Dans le cadre d'un projet d'école, il serait souhaitable de mélanger les élèves et que les ateliers soient animés par les spécialistes des disciplines. En vue de la préparation du débat, les élèves travaillent par groupe dans l'un des cinq ateliers suivants. Quelles sont les différentes filières de production et de distribution de la viande ici et ailleurs, hier et aujourd'hui Quels sont les impacts de l'augmentation de la production de la viande sur le paysage et la vie des paysans en Suisse et au Brésil Quelle quantité de viande mange-t-on à, à des époques différentes Pourquoi mange-t-on ou non de la viande quelle est l'image de la viande ici, et ailleurs, hier et aujourd'hui. Après avoir lu le dossier mis à leur disposition et répondu aux questions de la feuille de route, les élèves présentent le fruit de leurs recherches sous forme de panneaux. Voici un exemple de panneaux traitant des filières actuelles de production de la viande, une filière courte qui met en relation directe le producteur et le consommateur et une filière longue qui s'inscrit dans une production mondialisée. La dernière phase, avant le débat, a été l'échange de connaissances. Nous avons constitué des groupes dans lesquels on retrouvait un expert de chaque atelier qui présentait son panneau. Les autres experts prenaient les notes. Cette activité demande un peu de place, d'abord pour pouvoir afficher les panneaux, et ensuite pour garantir une certaine intimité sonore entre les groupes. Pour cela, nous avons utilisé notre salle de spectacle. Avant le débat, les élèves ont eu du temps pour lister les connaissances acquises durant les exposés des experts. Quelles informations vais-je privilégier Quelle va être ma position avec quels arguments vais je défendre ma position? Nous avons animé le débat à deux un enseignant gérait le temps de parole et veillait à ce que chacune et chacun participe, l'autre enseignant notait au tableau noir les mots clés des intervenants. Cela permit permis d'éviter des redites. L'objectif était atteint lorsque les élèves donnaient leur point de vue en disant je suis pour ou contre le droit de chaque être humain à avoir le droit de consommer de la viande comme moi, parce que sur le plan économique, je pense que, sur le plan écologique, je pense que, et sur le plan santé sociale, je pense que. Il apportait ainsi une réponse nuancée à une problématique complexe en tenant compte de plusieurs dimensions. Un bref bilan pour terminer. Les points positifs suivants ont été relevés. Le thème était porteur, les élèves ont apprécié de travailler en groupe, le recours aux élèves experts a obligé chaque élève à s'engager et à produire un travail de qualité, ce qui s'est ressenti lors du débat durant lequel tout le monde avait quelque chose à dire. Les enseignants ont été heureux d'avoir des supports de cours de qualité rédigés par des spécialistes. Quant au point négatif, les enseignants ont relevé les points suivants. Les supports de cours étaient parfois complexes. Il serait souhaitable de disposer des supports de cours différenciés selon le niveau des classes. Un horaire morcelé n'est pas propice à ce type de travaux. Il faudrait disposer de périodes de cours d'au moins 90 minutes. Pour des enseignants non spécialistes, l'acquisition des notions de base a pris beaucoup de temps et a exigé de nombreuses lectures pour être à même de répondre aux questions des élèves. Enfin, le nombre de photocopies a explosé. Ce problème pourrait être en partie résolu en mettant les informations sur des supports numériques, comme par exemple des tablettes. Comme on l'a vu précédemment, un projet développement durable doit déboucher sur des actions. Une élève a raconté lors du débat que le thème avait été débattu en famille. Ils avaient décidé de diminuer leur consommation de viande et de privilégier le circuit court lors de leurs achats. En famille, ils sont allés voir les conditions de production de la poule qu'ils allaient manger, qu'ils allaient mettre dans leur assiette. Bon appétit